choses finalement. En étant trépidant comme vous l'êtes, je crois que vous êtes la traduction la plus exacte de l'époque que nous vivons. C'est peut-être pourquoi chacun se reconnaît un peu en vous, non? Oui, on est un petit peu pas. Un petit peu comme... Oui, comme un modèle, un exemple, un symbole en tout cas. Quoi que l'on fasse dans la vie, quel que soit le métier que l'on exerce, on a une vie un peu trépidante. On saute dans un métro ou dans un taxi. Et de plus en plus. Et de plus en plus, oui. C'est assez épouvantable. Et vous, vous êtes la traduction scénique de l'agitation des siècles. Moi, j'aime bien les grandes villes, j'aime bien New York. Oui. Et tout ce qui bouge, c'est New York. Les gens qui vont vite, partir au feu vert, vite, oui. Sinon on rentre dedans derrière, tout. J'adore ça. Et vous êtes quand même un personnage plein de contrastes, Claude, car maintenant, c'est l'heure de la conclusion de notre petite conversation. Il faut dégager les grandes lignes. Vous êtes à la fois un personnage trépidant, mais en même temps avec un grand calme, semble-t-il, un grand sérieux. Vous êtes l'exemple du garçon bien élevé qu'on reçoit dans les familles, à qui on ouvre toutes les portes. Et... C'est mon éducation, ça. C'est oui. Le sud de l'éducation qui revient. C'est le côté de l'éducation. Il y a un autre contraste. Vous êtes un garçon... un peu réservé comme ça, vous ne vous livrez pas tellement facilement dans la vie, mais en même temps très exubérant sur le plan musculaire aussi, sur le plan sportif. J'ai appris que vous aviez gagné des tas de médailles, pas aux Jeux Olympiques de Mexico, mais au Caire quand vous étiez jeune. Je ne suis pas très musclé là, mais j'ai deux bonnes jambes. Mais le métier que vous faites est un métier d'athlète, il faut être un athlète. Non, on a besoin d'avoir des jambes musclées, oui. Je crois. Pour marcher sur une selle, même pour marcher, il faut marcher avec assurance. Pour... Oui. C'est un petit peu comme un chien, parce que votre chien qui est là. Oui. Si vous avancez sur un chien avec une démarche incertaine, le chien vous mord. Si vous arrivez sur lui avec des muscles... Il faut donner l'impression d'être sûr de soi. Sur une scène, le public, c'est un petit peu comme un chien, pas dans le sens péjoratif de la chose, mais le public est prêt à vous mordre si vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous arrivez sur une scène avec des jambes musclées à l'aise... Il faut donc avoir une présence physique également. Et cette médaille dont j'ai parlé au Caire, qu'est-ce que c'était? C'était aux Jeux d'Égypte. Il y avait des Jeux de une fois par an où les lycées français d'Égypte, un tiers, se réunissaient. Tirer leurs champions et parer aux champions égyptiens, mais pas des écoles, les champions égyptiens de course à pied. Alors ce jour-là, il y avait une course et les trois meilleurs étaient partis en Angleterre pour faire une course de fond. J'ai gagné ce jour-là, mais enfin les trois meilleurs n'étaient pas là. Je ne sais pas si c'est parce que vous me dites ça, Claude, mais physiquement, maintenant, je vous regarde, vous êtes à côté de moi, vous faites un peu penser à Jazzy sur le plan de la construction du corps. Vous êtes un personnage très ami avec mince et lancé, et il me semble que vous êtes un peu une réplique de Jazzy. Souvent, oui, je suis très très ami avec lui, on s'entraîne quand il veut bien dans la gentillesse de parler trop vite. Oui. Je ne tiens pas à son rythme, encore que maintenant ça va, je vais finir par le rattraper. Il va moins vite, peut-être vous allez plus vite. Enfin, pour terminer, ce contraste qui vous symbolise, me semble-t-il, vous êtes aussi à la fois un garçon très moderne, traduction de son époque, et très romantique. Vous êtes un personnage romantique. Hein? C'est pour toutes ces raisons, Claude, qu'on vous aime beaucoup. Vous êtes très gentil. Et qu'est-ce que je vais vous demander comme dernière chanson? Je crois que la dernière que vous avez sortie est une chanson qui aura du succès, non seulement dans le cadre des expéditions polaires françaises, ce qui est quand même limité, mais parmi toutes les auditrices, les téléspectatrices, les auditeurs, les téléspectateurs que nous voulons toucher. C'est un petit peu l'époque aussi. Oui, ça s'appelle L'homme au traîneau. L'homme au traîneau.